Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Un vers du poème Souffle, écrit par le célèbre auteur Birago Diop, qui trouve pleinement sa place dans la conscience africaine de la mort. Et le Gabon ne déroge pas à cette conception de l'éternité des morts. Ici, les morts ne sont pas morts et c'est ce qui justifie le fait qu'ils n'hésitent pas à porter de la nourriture ou des boissons lors du nettoyage des tombes, des offrandes pleines de sens. Dans ces cimetières, il n'est pas simplement question d'apporter un présent, mais encore faudrait-il qu'il fasse partie des préférences du disparu. Si pour certains croyants, apporter de la nourriture aux illustres disparus est tout à fait normal, pour d'autres, le faire ne sert absolument à rien, car la seule chose que l'on peut garder de la personne décédée est le souvenir de son absence.